On passe aux plus jeunes avec l'organisation le week-end dernier au centre technique FCF de Païta d'une demi-journée grassroots FIFA. Cet événement en faveur d'un public âgé de 6 à 12 ans a vu les jeunes footballeurs et footballeuses Kagou prendre part à une demi-journée de festivités avec un seul mot d'ordre au programme, le plaisir de jouer. Samedi dernier venait donc clôturer l'opération Grassroots 2013 menée en Calédonie et pour l'occasion les jeunes nordistes avaient fait le déplacement avec également la présence des jeunes des quartiers. Le tout forcément dans une ambiance festive. On écoute Mathieu Delcroix, responsable du football d'animation au sein de la Fédération Calédonienne de football. 180 enfants, on leur propose du beach soccer, sur le sable, avec du futsal également, et du 3 contre 3. Donc là, dans ce style-là, les enfants touchent beaucoup de ballons, pas de temps mort pendant qu'ils jouent, et du tennis ballon également. Donc plein d'activités qu'ils découvrent. Voilà, déjà leur faire découvrir un maximum d'activités. Ils n'ont pas l'habitude de pratiquer en club. Et aussi également voilà, leur proposer de pouvoir se rassembler autour du ballon rond parce qu'on a des jeunes du Nord qui viennent, des Poules, etc. Également des quartiers de Nouméa. Et on leur propose le fait de se rassembler. Il n'y a pas vraiment de championnat. Donc là, le but, c'est vraiment que tout le monde joue ensemble, sans compétition, que tout le monde se mélange et que voilà, tous les enfants puissent se plaisir. Sur le sable comme sur le synthétique, on aura donc vu de beaux gestes et du beau jeu, le tout sous le regard attentif des éducateurs. C'est comment aujourd'hui? C'est bien. Vous avez marqué des buts? Oui, oui. Là, on a mis 9-0 puis 3-0. Ok, au revoir. On se donne donc rendez-vous l'année prochaine avec l'opération Grassroots FIFA qui continuera sa route sur le caillou.